La lame a dû toucher le rein ou un truc comme ça. Elle fait une septicémie. Comment tu te sens, petite sœur? J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un grand couteau. Hé, aide-moi. Allez. Ah, ok, viens. Merde. Encore une fois. Donne le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signe à ces hélicos. Et je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a... Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires. Écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là. Brian. Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux. Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout. Ok. Allez, aidez-moi, allez. Ma chérie, ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer, on y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans les grands du gars. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Il doit pas être loin. Attends, attends, coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Thank you.
pas beaucoup. Couvre-moi. Je te suis, mec. Il est parti par là. Allez. Y a rien ici, par ces saloperies de mutants. Je me suis peut-être planté à son sujet. Il a peut-être pas de deal avec Copland. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. Hé, hey, hé, attends, doucement. Doucement. Attends, attends, là! C'est par là. Les traces sont fraîches. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. On pistait des bêtes sur des kilomètres. À couvert! Ah! Merde! Allez! Ça va, frangin? Ouais, ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Boozer? Sûrement pris par là, vers la cascade. Une piste de sang. Il ira pas loin, allez, viens. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent. Et ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table,
Moi, au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez, attendez! D'accord, d'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. Ça veut dire que... Vas-y. Ne laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Fais-le. Enfoiré de menteur! Doug voudra une preuve pour la prime. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Même un enfoiré comme Léon. Hey, minute. Je veux fouiller ce camp, au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Ok. Reste à combiner les deux. Ça devrait le faire. C'est pas aujourd'hui que je perdrai mon bras, on dirait. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit, rapporter quelques primes à Tucker. Ah, s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves de matos. Ouais, d'accord. Mais je veux pas passer toute la nuit alors. La vache, je manque d'exercice. Je vais voir si je peux prendre des pièces. Non, mais bordel. Quoi ? Le fils. C'est l'arrivée d'essence ou tu t'es pissé dessus? Non, pas carburant. Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en flûre. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on n'a qu'à retourner au Mont O'Leary. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan? On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hé hey, t'as filé quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le nord? On s-
s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée! Fais gaffe! J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Ouais. Ouais. Pousse! On approche du vieux checkpoint du Nero. On y est presque.
File-moi ton fusil à pompe, je passe devant. Je dirais qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Et ça a plutôt mal tourné pour eux. Et t'as plutôt fini 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais. Bon sang. Regarde-les. Quelle bande d'abrutis tout autant qu'ils sont. On dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la Horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. Tu sens ça? Oh putain! Ouais bon. Allez, viens, on se tire. Attends une seconde. Il te reste combien de Molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça. Va chier. Je rêve, tu cherches vraiment la merde. Et tu l'as trouvé, on dirait. Péter mon fusil. Ouais. Ok. Ok. Tu vas y retourner, hein? De quoi tu parles? Putain de camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? T'es pas responsable de sa mort. Laisse tomber. Il est monté dans l'hélico avec Sarah. Ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort aussi. Laisse tomber, je te dis.